Hey, comment on se retrouve? Alors, j'en fais une petite vidéo rapide pour vous présenter les variétés de tomates que je vais semer pour 2024. Tout d'abord, alors, un peu le ménage. Donc ici, c'est les tomates que j'ai faites l'année dernière. Donc c'est des plants que j'avais achetés en magasin et j'ai refait des petits sachets de graines comme ça. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que certaines personnes me disent qu'il ne faut pas récupérer les graines de ce genre de plants en magasin parce qu'il paraît-il que les plants comme ça qu'on achète en magasin, c'est pas les vraies variétés, c'est pas une vraie graine zébra, c'est pas une vraie Roma, c'est pas une vraie cornue des Andes, une vraie ananas, enfin. Alors je sais pas, moi je les ai récupérés, bon, bien évidemment, je vais pas les refaire cette année parce que, comme vous avez vu, j'en ai une bonne ribambelle à essayer cette année. J'aimerais bien toutes les faire. on verra. Et puis voilà, donc j'avais écrit quelques informations derrière hein, qui me paraissaient intéressantes. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, très bonne, meilleure, ah oui, parce que c'est une des tomates que je préfère, l'ananas. Sucrée, pleine, environ 400 grammes. Bon, peut-être un peu exagéré, plus 200-300. Port indéterminé, mi-saison début août, ça c'est où j'ai récolté l'année dernière, plein soleil évidemment. Origine du plant, Folarize, 4-5 gros fous en moyenne par pied. Pas de maladie, un mois de pluie. Donc voilà. Voici le genre d'informations que j'ai écrit derrière mes petites graines que j'ai récoltées. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter cette fois-ci des graines que j'ai achetées à Olivier. Alors pas de la chaîne du potager d'Olivier, mais de la chaîne Potager sur sol vivant qui se situe, il habite dans les Vosges, quartier frais. Et donc du coup, moi ça m'intéresse grandement comme je suis dans le Grand Est, région assez froide. Et donc je lui ai acheté des graines fin d'année dernière. Et bah, je vais vous les présenter rapidement. Alors c'est moi un peu moins parlant, il n'y a pas d'image, etc. Mais donc tomate chocolat stripe. J'ai écrit quelques infos qui me restaient quand j'ai vu ces vidéos. Fruits noirs striés rouges ronds d'environ 150 grammes. Touc. Tomate cœur de bœuf orange. Bon, bah, rien de particulier parce qu'elle est orange. Donc, type cœur de bœuf orange, voilà. Tomate Cherokee, donc Cherokee. Pardon. C'est une tomate assez connue, ça, une de mémoire. Feuilles rouges ronds aplaties type beefsteak environ 300 grammes. Tomate Lavorgienne. Fruits récemment créés. Créés récemment à l'an. Vert et rouge environ 100 grammes. Tomate Maglia Rosa. Fruits rouges tigrés type tomate cerise allongée 35 grammes. Bah, il donnait pas les grammages, mais moi, c'est pour avoir un ordre de grandeur. C'est ce que j'estimais quand je les voyais en vidéo. C'est pour voilà. Je sais que ça va être une petite tomate. Après j'ai fait aussi le petit dessin. C'est pour avoir me souvenir grosso modo ce que ça va être comme tomate quoi. Que ça va pas être une grosse tomate, etc. Et je dis pas que c'est exactement ce poids-là. Tomate Cellota Yellow. Ça c'est un petit type ananas, ça, je crois. Voilà, fruits jaunes type ananas. Cannelle environ 500 grammes. Bon. Tomate corne de bouc, alors apparemment celle-ci elle est encore meilleure que la andine cornue des Andes, de ce que dit Olivier sur sa chaîne. Par contre, c'est une tomate très tardive. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Tomate Ibili, ça c'est de mémoire, c'est une jaune. Truite type ananas rond, jaune strié rouge, 350 grammes. Tomate Gargamel, donc ça c'est une tomate assez allongée, elle était vraiment très belle. Esthétiquement, elle est noire et rouge. Fruits longs, 100 grammes, rouge et noir. Voilà. Touc. Tomate Frankie. C'est une tomate fruits rouges ronds, environ 100 grammes. Bon, ça apparemment c'est très productif, je crois, de ce qu'il m'a dit, enfin de ce qu'il disait. Donc voilà, c'est des variétés assez originales qu'on trouve pas partout. Donc c'est aussi pour ça que j'avais décidé de les acheter. Ça, je les ai achetées après les graines que j'ai achetées en magasin. C'était vraiment parce qu'il les proposait pas très cher et voilà. Mais du coup, vu que j'en ai beaucoup, je ne les ai même pas encore comptés.
Voici pour les tomates que j'ai achetées en magasin, du coup, sur internet plus précisément. Non, je crois que ça, même ça, la ferme Samad, j'ai réussi à l'acheter en magasin, je crois que c'était chez Florey's Garden. Donc bah voilà, rien que pour la forme, la couleur, le nom. Ouais, je suis un gamin, comme avec des cartes Pokémon, quoi, c'est un gros gamin, oui, vous avez le droit de le dire. Tomate banana legs. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? La tomate banana legs est une variété de mi-saison qui donne sur une longue période des fruits de 45 à 75 grammes. Sa chair est dense, juteuse et sans acidité. Idéale pour une utilisation en salade. Bon, écoutez. Ah, j'ai hâte de tester tout ça, moi. Un vrai gosse, hein, je vous dis. Tomate noire de Crimée, bon, je pense qu'on la présente plus. Bon, tant qu'on y est, on va quand même les lire. La tomate noire de Crimée est une variété de mi-saison fruit de 120 à 150, pouvant atteindre 500 grammes. Eh ben, yon. Bonne résistance à la sécheresse, chair dense, douce et sucrée, pourpre foncé, contenant peu de graines. Voilà, noire de Crimée, classique. Alors, Thomas Anna Russian, de mémoire, ça ressemble fortement à la noire de Crimée. Donc, c'est dommage sur ces étiquettes-là, semailles, il n'y a pas de photo. On peut pas trop se rendre compte, à chaque fois, c'est les mêmes dessins. Mais de mémoire, ça ressemble fortement à une noire de Crimée. Variété ancienne à gros fruits rose rouge. Ah, donc c'est pas noir, à chair dense. Fruits juteux et sucrés d'excellente saveur. Croissance indéterminée, pardon. Ne craint pas les climats frais. Donc voilà, ça m'intéressait. Donc voilà tout ce que j'ai choisi. Je les ai pas choisis au hasard. Hein. C'est à chaque fois, il y avait des choses qui m'intéressaient. Soit c'était hâtif, résistant, très savoureux, coup de cœur. Enfin, bon. Après, je tombe peut-être un peu dans le panneau, mais c'est comme ça. Je pense que j'en achèterai jamais autant. Je vais faire une sélection et puis. Bon, ben, on verra bien, c'est le folklore. Hein. On s'amuse comme on peut. Tomate Big White Pink Stripe. C'est dommage, on n'a pas les photos. Fruits peu côtelés de couleur orange pâle. Chair sucrée fondante et très savoureuse, rappelant la papaye et la mangue. Eh ben, dis donc, ça donne envie. Plan de vigueur et précocité moyenne. Ah, la croissance indéterminée. Bon, on peut pas tout avoir. Ça donne envie en tout cas. Tomate bronze de Belgique. Donc de mémoire, elle était magnifique cette tomate-là. Elle est couleur un peu or, or foncé. Bah bronze quoi. Ancienne variété à myriade de tomates jaunes or. Je sais même pas ce que ça veut dire, à myriade. De calibre moyen, douce et équilibrée en goût. Culture semée chaude, donc ça ok. Repiqué, nanani, récolte abondante et prolongée, croissance indéterminée. Voilà. Donc Somaï, c'est un site belge. Les prix n'étaient pas trop chers et puis ils avaient des variétés intéressantes. Tomates, s'il y a des Belges qui nous regardent, petit coucou. On n'est pas très loin, je suis à 1 h 30 de route de chez vous. Tomates, chemin rouge hâtive. Variété française, voilà, ils proposent pas que des trucs belges, hein. Des variétés belges, mais aussi des variétés françaises. Productif aux fruits rouges légèrement aplatis et côtelés, chair douce, bonne saveur, croissance semi-indéterminée. Oh. Hâtive, 55-65 jours, donc j'imagine que c'est à partir de la plantation, donc ça fait un mois et demi. Bon, ok. Tomate rouge glacée, donc oui, celle-ci elle est à. Elle est un peu connue, il me semble que c'est une tomate très très hâtive des pays de l'Est. Ah non, c'est les pays helvétiques, ok, variété originaire de Suède, très hâtive, voilà. Fruits rouges de taille moyenne, 6-7 cm, saveur sucrée, croissance déterminée, port buissonnant, culture en pot. Ah oui, c'est ça, ça me revient. C'est une. Semer, mettre en place, pas laisser d'ailleurs. C'est une variété qui dépasse pas le mètre de hauteur, je crois, et qui est possiblement faisable en pot. Donc ça peut être intéressant pour des gens. Donc hâtive, apparemment elle est bonne aussi. Et elle dépasse pas le mètre de hauteur. Bon, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place ou qui veulent faire ça en pot, ça peut être bien. Donc ça c'était la rouge glacier. Tomate tigrella. Magnifique tomate rouge zébrée de jaune. De taille moyenne, production abondante. Précoce, variété assez vigoureuse, croissance indéterminée. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de tomates précoces quand même. Hein. Tomate noire russe charbonneuse. C'est peut-être celle-ci qui ressemble à la noix noire de Crimée finalement. C'était pas la Anna Russian, c'était peut-être la noire russe charbonneuse, il me semble. Variété aux gros fruits bruns pourpres, ouais, c'est ça. Très foncé, excellente saveur, très appréciée pour son absence d'acidité.
croissance indéterminée. Voilà. Tomate pamplemousse du grand-père. Donc voilà, rien que pour le nom, ça me faisait rire. Bon, je l'ai acheté. Je suis un gamin. Variété française, gros fruit type ananas. Chair charnue, jaune, voilée de rouge, sucré. Excellente saveur, croissance indéterminée. Mi-saison. Donc celle-ci, c'est pas une hâtive, c'est une mi-saison. Donc voilà, ce qui est bien aussi, c'est de prendre des variétés mi-saison, enfin, hâtive, mi-saison, saison, tardive. Vous avez une récolte étalée dans le temps, bon ça je vous apprends rien, vous le savez. Mais comme moi je suis dans l'Est, je privilégie quand même les hâtives mi-saison. Parce que généralement les hâtives, elles arrivent en saison. Les mi-saisons, elles sont tardives, quoi, elles arrivent en fin de saison. Tomate blanche de Picardie, donc c'est pas très loin de chez moi, c'est aussi pour ça que j'avais pris. Puis blanche, c'est original. Tomate de calibre moyen, résistant bien à l'éclatement. Très bonne saveur, variété précoce et productive. Voilà. Blanche de Picardie. Donc ça c'est pareil, c'est des sachets à la ferme Saint-Marc, mais comme c'est des variétés peut-être un peu à l'alambiquée et un peu spécifiques, ils ont pas d'étiquette un peu comme ça quoi, c'est dommage. Qui s'y mettent la ferme Saint-Marc là-haut, si vous voyez la vidéo, puis me sponsoriser parce qu'avec tout ce que je vous ai acheté, hein, bref. Donc tomate couille de taureau, donc rien que pour le nom, bon je l'ai acheté quoi, mais en gros c'est une tomate beefsteak quoi, tardive. Tomate Brandywine, pareil, de mémoire dans la description, ce qui m'avait décidé à l'acheter, c'est parce qu'elle a un goût de vieux vin, donc comme son nom l'indique, Brandywine. Alcoolisé, bon, à voir. De toute façon, bah, ça va être dégueulasse, je vais pas aimer ça. Tomate Beefsteak, et bah, la voici, donc c'est une variété tardive, c'est écrit là. Tomate Beefsteak est une variété tardive, voilà, un gros fruit. De 200 à 700 grammes. Sa chair ferme contient peu de graines. Elle est fondante et très parfumée. Et bah, comme ça. Donc ça, bah, rien que pour la forme. Hein. Voilà, la forme hâtive. Je l'ai pris. Et j'essaie de me trouver des excuses. Et alors, donc tomate voyage. Tomate voyage est une ancienne variété précoce produisant d'étonnants fruits très côtelés. Tomate à chair épaisse, juteuse. Est très sucrée, et sucrée, pardon. Elle est parfaite à consommer nature ou en salade. Voilà, tomate voyage. Elle est sympa, hein. Bon, épluchée, ça doit être galère. Mais voilà. Ah, beauté blanche, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Variété hâtive aussi. La tomate beauté blanche est précoce, vigoureuse et productive avec des fruits de 100 à 250 grammes. Sa chair ferme et ferme, pardon, juteuse, douce et d'excellente qualité gustative. Bah, décidément, pour une tomate blanche. Ici, la tomate jaune Saint-Vincent. Donc, pareil, de mémoire, c'est une variété hâtive. Bon, là, y a rien marqué, donc je ne sais plus. Je vous dis ça de tête. De mémoire, c'est une petite tomate moyenne. 200 grammes bah, jaune et hâtive. Tomate Green Sausage. Bon, pareil, hein, avec un nom pareil, je pouvais pas résister. Donc, verte et en forme de saucisse, comme son nom l'indique. Tomate bulle, donc ça c'est une tomate cerise, type petit moineau qui fait des petites cerises comme ça, de la taille d'une bille, couleur rosée de mémoire. Ça c'était un cadeau de la part de la ferme Saint-Marthe, à partir d'une certaine somme ils offrent un sachet de graines. Et là en l'occurrence c'est cerises Gardener's Delight, apparemment elles sont bonnes celles-ci. Et cocktail clémentine, celle-ci je ne connais pas. Ici, tomate Green Doctor Frosted, petite tomate cerise verte comme ça, striée jaune. Tomate cerise verte à chair ferme et juteuse de mi-saison. Elle est brillante et extrêmement sucrée. Décidément, donne envie tout ça. Cerise brin de muguet, pareil, c'était pour folklore, de mémoire sur la photo, bah, ça ressemblait vraiment à un brin de muguet. Avec des petites tomates un peu comme ça en forme de clochette. Voilà. Tomate Brownberry, pareil, Olivier sur sa chaîne, il en a. Mais donc du coup, je n'en ai pas pris, je l'ai acheté comme ça. J'aurais dû lui acheter à lui, bon bref, tant pis. Et apparemment, elle est très très bonne. La Brownberry, c'est une de ses tomates cerises préférées. Donc je ne pouvais pas ne pas la prendre pour tester. Parce que moi, j'ai testé la Black Cherry qui est déjà très bonne. Mais la Brownberry, apparemment, est supérieure.
est moins productive, mais elle est meilleure. Tomate Brownberry produit des grappes de 8 à 10 fruits de tomates type cerise, lisses, d'un rouge foncé presque brun, d'environ 3 cm de diamètre, 10 grammes, bonne saveur acidulée, une des préférées de la ferme Saint-Marthe. Ben voilà, récolte 4 à 5 mois après le semis. Donc apparemment, celle-ci, elles promettent quoi. Tomate miel du Mexique. Donc celle-ci, j'avais essayé de les semer l'année dernière, mais j'avais dû semer ça au mois de juillet. J'ai eu que l'occasion d'en goûter deux ou trois à moitié mûres. Malheureusement, hein, j'avais fait ça trop tard, comme j'avais pas eu de serre et tout ça. Et apparemment, c'est très bon aussi, ça, les miels du Mexique. Donc, tomate miel du Mexique est une variété tardive, productive, résistante à la sécheresse, à l'éclatement, fruit de 15 à 20 grammes, juteux, chair douce, légèrement acidulée et sucrée. D'un goût exquis. Ah bah, non. Donne envie tout ça. Voilà, tomate cerise, groseille, petit moineau. Apparemment, ça fait des toutes petites tomates comme ça, plein de petits trucs. Bon, ça peut être marrant pour les gamins. Variété rampante, très rustique et très productive aux nombreux petits fruits rouges de la grosseur d'une groseille. Voilà. Très bonne saveur sucrée, croissance indéterminée. Petit moineau. Et oui, donc quand je suis passé chez Lidl, bon, j'ai croisé ces tomates-là. Et j'en ai planté l'année dernière. Et comme c'était une F1, je n'ai pas pu les récupérer les graines. Donc la Super Sweet 100, c'est hyper connu. Hein, elle est très bonne cette variété-là. C'était celle que j'ai préférée en tomates cerises l'année dernière. Avec les Black Cherry. Donc comme c'est une F1, j'ai pas pu récupérer les graines. Mais j'en ai acheté. Mais je ne les referai pas cette année. Hein. Comme vous avez vu, j'en ai assez à faire. Donc voilà pour les variétés de tomates. Donc je ferai ça dans un mois environ, vers mi-mars. En même temps, je sèmerai aussi le basilic. Donc comme j'ai fait l'année dernière, j'ai fait du basilic vert. Et je ferai aussi du basilic pourpre. Donc un peu poivré. J'adore ça. Pour les tomates, ça va être très bon. Donc ben voilà. Vous allez me prendre pour un fou et puis je pense que vous auriez raison. Je suis un fou. Je vais tester tout ça. Je pense que si j'en fais une de chaque, une ou deux de chaque, ce sera bien. J'ai pas compté. Si vous avez compté, ben, dites-le moi en commentaire. Je compterai peut-être après et puis je les mettrai dans le titre pour faire des vues, faire du putaclic. Voilà, bah, écoutez, sur ce, à la prochaine, bon semis. Et puis, salut!